Oh! Des urgences. Des blocs énormes. On va voir s'il y a là-haut. L'eau, elle sort de dessous. Là, on voit, il n'y a pas d'eau. Donc, il y a une cavité. Wow, c'est magique là, comme des marches. Il y a des marches partout là. Wow, on dirait que ça a été taillé. Est-ce qu'il y a une grotte? Suspense. Tiens, par magie. Des marches pour monter.
Ouais. C'est sympa. On dirait vraiment que ça a été creusé. Mais là, je vais pas le faire. Cette paroi. Une entrée. Ah, ce gros bloc encore. Rectangulaire. Fait bien bien frais. À mon avis, c'est profond. Vu la fraîcheur. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, faut peut-être être encordé là. Je pense qu'il y a du dénivelé. Ça a l'air d'y aller un peu comme une autre source que je connais. Ils sont bien raides comme ça.
Y a quelqu'un? Comment c'est possible? C'est éclairé dans l'eau. Allez, petite grenouille. Vous avez le temps de la voir? J'ai fait un peu peur, merde. Mais qu'est-ce que c'est que cet éclairage? Qui doit passer là. C'est pas possible. Bon, bah là, faut partir en canoë. Parfaitement ronde. On entend nager là. Non mais moi je me demande qu'est-ce que c'est que cette boule là. Il y en a d'autres au fond. Il y en a d'autres au fond, je sais pas si on pourra voir. Faut que j'arrive à y aller. Le sol. C'est pas de la glaise. Hein. On dirait de la céramique. Putain, ça nage là-bas. Je me demande bien ce qu'il y a. Une boule comme ça. Et regardez celle-là. On dirait des météorites. J'aimerais bien la voir dans notre angle.
C'est une boule. Elle est vraiment ronde de tous les côtés. Il y a une poutre ici avec une ancienne structure. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Et là-bas, ça continue. Et c'est un peu bloqué. Je vais pas y aller aujourd'hui. Ah, il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Oh. Il y en a une autre ici. Oh, c'est chaud. Oh, il y en a plein d'autres. Je me demande bien ce que j'ai découvert. En plus, c'est du dur. On voit bien. C'est pas de l'argile. Il y en a d'autres au fond. On dirait des œufs. Franchement, je suis dans un IA. Il y a quoi là? Là, ça, c'est cette découpe aussi. Elle est trop étrange. Ouais, ça continue aussi. Il y a vraiment quelque chose ici. Sur, en plus sur ce site, ils ont trouvé plein de planquettes, plein de choses appartenant aux Celtes, au néolithique, tout ça. Cet endroit, je vous avoue. Oh là là. On dirait de la céramique. C'est pas du quartz, hein. Ni de la roche normale. Je me sens bien, hein. Je me sens pas mal. Elle est juste intrigante. Elle est vraiment mystérieuse. Bon, là, ça nagerait par là. Là, j'avoue que je commencerai à m'inquiéter. Mais là, ça nage là-bas. Donc, vu comment c'est étroit, c'est forcément des petites cascades. Et puis, ça nage constant, quoi. Voilà, donc, rien de normal. Là-bas, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Trop mystérieux, quoi. Bon, bah, à refaire. En tout cas, on n'aura pas la réponse pour là dans l'eau. Cette lumière, c'est pas moi, j'ai éteint les lampes. Voilà, c'est éclairé. C'est complètement dingue. Alors, je pense, je vais mettre un peu les pieds dans l'eau. Je pense qu'il doit y avoir du jour. Comment c'est possible? Oh, puis là-bas, vous avez comme. Oh, on se croit vraiment, on rentre dans un palais là. Un château souterrain, quoi. Mais là, cette lumière là, regardez. Elle vient d'où? Elle est dans l'eau. Alors, forcément, je pense que c'est un puits. J'arrive pas à le voir. Il doit refléter contre la paroi. Ça, c'est magique.
passages là-bas. Il y a plein d'endroits où aller, quoi. Donc là, il y a un fil d'Ariane, donc il y en a qui y vont. Ouais, c'est le fil d'Ariane. Bon, là, petit défi, faut pas blesser, parce que alors là, c'est vraiment... J'ai les deux mains prises. Et les cailloux, là, ça pardonne pas. Quand il y en a un qui tombe... Tu te prends tout dessus, quoi. Je vais ranger mes lampes. Le but, c'est de rien faire tomber. On dirait pas, mais ça grimpe. Même pour de l'initiation. Même pour les confirmer. Regardez les pierres. Elles tombent vite, quoi. Là. Tout ça. On va pas s'y amuser. On voit bien comme une ancienne dalle. Les étuminus. Ah si, on voit bien des structures là-bas.
seigneur, il n'est pas tout jeune. Je parle de celui-là. Celui qui conduit ce bassin. Donc un peu de chance. Je fais pas trop de bruit. On va peut-être voir des couleuvres. Des vipérines ou un truc comme ça. Vous voyez la structure? Ça doit sauter encore quelque part là-bas. Oui. Ouais, ça chute. Dans la rivière.